Non, on veut que vous nous montriez un sort maintenant. Ouais, mais vous êtes chiant, là. Je suis pas chauffé, là. On veut vérifier que vous êtes bien un présidi. Un présidi. Un présidi. Bon, ça suffit maintenant. Grouillez-vous. Montrez-nous un sort. Ok, ok. Laissez-moi me concentrer. Voilà. Gimlol, goûtez votre bière. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous essayez de me faire boire là? C'est de l'eau. J'ai transmuté votre bière. Quoi? Vous essayez de me faire boire de l'eau? Vous voulez me transformer en Tarlouse ou quoi? Bon, c'est parti pour Wizard and Warriors. La caméra. Attends, non, c'est pas parti. Attends, on va se décaler un petit peu. C'est parti. Alors, c'est commencé là? Bah, je crois. Alors, le bouton là. Oula, ça vibre. C'est normal que ça vibre comme ça? Je crois pas. C'est quand tu tapes ça, les mouvements? C'est une grande forêt en tout cas. En fait, le jeu sur Game Boy tout pourri que je disais, bah, c'est la même chose que ça. C'est le même personnage. D'accord. Il y a une très belle illustration sur la jaquette, mais alors une fois qu'on voit le personnage, c'est une espèce de casserole avec un cure-dent. Et un zombie en bas. Et ça va le gameplay ou c'est de la merde? En tout cas, les bruitages sont minimalistes. Hein. J'ai même pas le bruit des coups d'épée ou de... Non, il n'y a pas de bruit de... Donc là, faut que t'ailles sur la porte si je comprends bien le délire. Oh, je peux pas sauter et donner de coups d'épée en même temps, c'est quoi cette merde? Ah mais tu peux le... Quoi, c'était une... Ah oui, c'était une option ça quoi. C'est bizarre quand même comme jeu de plateforme de sauter de... Oui, c'est très bizarre parce que là c'est une perspective... Faut que j'aille où? Je sais pas mais ça fait vibrer l'écran de manière dégueulasse quand tu... Quand tu te déplaces à certains endroits. Y'a des moustiques, y'a des zombies... Faut peut-être aller à la porte là, voilà. Non? Ouais, ou au trésor, la différence entre ouvrir. L'illustration et le contenu du jeu, c'est incroyable. Parce qu'en fait, là, il y a le warrior, mais il est où, l'usard? Je vais essayer de faire une forêt en profondeur, mais tu sautes sur les arbres pour faire la profondeur. Oui. C'est oui, ça? En fait, il saute vers l'arrière, il saute pas vers le haut. Là. Ouais. Mais tu sautes avec les mêmes contrôles que si tu sautais vers le haut. En tout cas, il a une vie de ouf, le gars. C'est assez bizarre, le... Bah, ce qui est bizarre, c'est l'image qui tremble comme ça contre le personnage... Tu vois? Ouais. Oh yeah! T'as déjà presque plus de vie. On va chercher le coffre. Je sais pas ce qu'il faut faire pour l'ouvrir. Peut-être une clé. C'est très bizarre ce tremblement là. Peut-être le jeu hein, qui est mort. Je sais pas. Ah oui, elle te tombe dessus direct et tu peux rien faire. Ah, ah t'as pas de dégâts de chute, dommage. Et le coffre, là, tu peux pas appuyer sur la flèche du bas ou faire quelque chose ou la flèche du haut? Pour se faire disparaître les portes. Ça se trouve, c'est juste un vieux décor, t'es pour qu'on s'acharne pendant 15 ans dessus. Possible. Et vu qu'il est de la même couleur des araignées, on pourrait penser que... Putain, mais tes coups d'épée, on a l'impression qu'ils servent à rien, quoi. Y a même pas de bruit. Puis la portée, c'est quoi l'espèce de truc bleu là? Peut-être une arme. Oh, eh. Je suis pas sûr. Bon, ça ressemble à et un donc coup. Tu peux pas sauter et donner un coup d'épée en même temps? Non. C'est... au choix. Je sais pas à quoi te servent les diamants là, mais à mon avis... On va voir c'est quoi l'espèce de bite bleue là. Encore un truc que tu peux pas bah, prendre. C'est rien. C'est une ruche. Voilà. Je sais que sur la version Game Boy, si t'appuies sur la flèche du haut plus coup d'épée, il fait un espèce de coup circulaire. Voilà, ça... Non, il n'y a pas une différence.
Ouais. Je sais pas ce que c'est. Un coup haut et un coup bas. Oula. Bon bah t'es mort là. Quand il crève bizarrement. Ah ça, tu recommences au même endroit. Putain. Avec les sauts et les coups d'épée, je dirais. Voilà, parce que jusqu'ici, c'est à peu près facile. C'est peut-être ça qu'il faut pour ouvrir les coffres, la clé. Ah oui. Pourquoi t'es devenu tout rouge? Ah oui, le coffre, il est... Et là, t'es devenu tout bleu. Ah, il a ouvert le coffre. Le coffre est ouvert parce que j'ai la clé. Et ça se trouve, t'as du temps pour aller dedans. Putain, c'est un... Si tu arrives avec 100 diamants, tu vas gagner un... Il tape le machin ou pas? Bah ouais. Non, je crois qu'il faut que t'aies... Non, il se fait taper aussi, il va. Ah ouais. Putain, bah, du coup, le cachet. Oh là, les graphismes sont quand même vraiment dégueulasses, hein, je trouve. Hein. Oh putain, j'ai trouvé. Tu as découvert une épée. Ah, elle se jette. Et puis il y a de la mana. On voit des rayons. Ah, mais c'est limité ou. Je sais pas. Non, je pense pas, ça a l'air d'être équipé en balle. Peut-être jusqu'à ce que tu meurs. Ah, il y a de la vie là. Ah oui, t'es redescendu jusqu'en bas, carrément. Ah, je suis un ouf. Bah je sais pas, c'est le même niveau ou il est retombé au premier niveau. Il est retourné au tout début. Regarde, les couteaux ils sont à tête chercheuse, regarde. Ah ouais, bon il y a quand même une progression avec des objets. C'est ce qui fait tout le charme du jeu. Et tous les coffres sont ouverts maintenant. Ouais, j'ai la clé. Oula. Ouais, t'en as quand même que 59, donc ça c'est de la vie. Ouais, ça doit être faisable. Ah oui, bah surtout en sautant par le bas. Ça recharge rien, par contre. Oh, une potion de je sais pas quoi. Ça donne des points. Aucune idée. On va passer par la porte, hein. Et en fait, tu te perds dans le donjon, si j'ai bien compris, ouais. Ouais, c'est pour que t'as un cible, vite fait, hein. Ouais, là, je crois que t'es mort. Non, en fait, ce qui est pénible, c'est que tu peux pas tuer un truc, sauf qu'il y a un autre qui repop directement derrière, et du coup, tu peux jamais te déplacer. Ah, il y a des continues infinies, en plus. Fais-toi, quoi. Bon. Ouais. Hop. Ouah, t'as réussi ton saut, ouais. Faut pas que je crève, mais... Tu as touché 15 000 fois avant de... C'est les coups d'épée les plus désespérants que j'ai jamais vus. Le mec, il tend même pas les bras, il attaque le moins loin possible. C'est son armure qui est soudée, on ne peut pas tendre les bras avec. Je sais pas, tu peux pas parler au PNJ là qui te faisait chier tout à l'heure ou te baisser dans le trou. Tu peux pas descendre dans le truc vers le bas. Ah, bah voilà. Ça fait 10 minutes que je dis ça, mais. C'était un tuyau. J'arrêtais pas de dire flèche du haut, flèche du haut, c'est un serpent en gros, il est méchant. Lui le bassin. Non, la barre de. Bah, en tout cas, il... Par contre, il avoine. On va y aller. Ouais, bah vas-y. Ah, un niveau pour toi, voilà, ouais. Il faut tomber sans réfléchir. Voilà, c'est ce qu'on te demande de faire depuis tout à l'heure. Allez, prends la vie, le coffre, la vie, remonte. Remonte, t'as plus de vie, t'as plus rien. Voilà, des gemmes. J'aime. T'attrapes le steak au-dessus, là, voilà, maintenant tu peux redescendre. Hop. Oh là là! Ouh, là c'est un dégât de chute, t'as vu? Ouais. Quand tu tombes de 5 km de haut, il se fait mal. Ce qui est beau, c'est que t'arrives à rater toutes les options, quoi. La vie, les coffres. Mais c'est quoi ce niveau de merde là? Le coffre. C'est vrai que c'est le niveau. Il est fermé le niveau. Ah! Elle a un coffre. Non, parce que là, avec les racines, en fait, il a pas d'appui, il glisse. Allez, va à la sortie. Ah, tu peux pas les péter, les essaims. T'as presque plus de vie là, donc va à la sortie. Hush! Ah mais tu peux pas sauter sur les racines. L'escargot à gauche, non tu peux pas. C'est quoi cette feinte? Si tu rates la sortie, t'es mort, c'est ça le délire? Ouais, en gros. Tu sais, tu peux pas le péter. Là, je peux pas aller sur l'escargot. Bon bah j'ai plus qu'à crever là, bon, c'est ça. Attends, essaye avec les racines quelque chose. Bah voilà, t'as fait un saut là. Ah, voilà le boss. Ça c'est le boss ça. Ah, bah il a pas beaucoup de vie. Ouais, faut déjà réussir à le toucher. Hein. Voilà. On va sur ta droite, hein, dégage-le du coin de la map. Hein, Prendre la distance, là, t'as plus de vie. Mais la distance à quoi? Mais t'es dans le coin du bord et avec le monstre qui te saute dessus. Mais nul, c'est l'expert le plus nul que j'ai jamais vu. Là. Si tu sautes au-dessus, tu passes en dessous et hop.
Lui, voilà. Il vient vers toi, tu jettes un couteau et après tu retournes de l'autre côté, tu fais des allers-retours. Les couteaux, ils font un couteau, il n'y a que des coups d'épée qui fait quelque chose. Il faut pas rester en dessous. On se demande comment il a fait. Bah alors. Continue infini. Vous râlez, vous râlez. Je sais pas si c'est une bonne chose parce qu'on a envie que ça finisse. Ah, mais vous râlez en attendant. Ça y est, tu vas pouvoir. Ça, j'ai trouvé la gonzesse. Elle est attachée, laisse-la attachée là, tu vas pouvoir faire. Bien joué, nanana. Lucinda. Lucinda. C'est le Tinder de l'époque en fait. Ça compte des trucs et tu rencontres des. Non, mais ce qu'on veut savoir, c'est si vous lancez un sort et que vous vous plantez. Est-ce qu'il y a un risque qu'on se fasse transmuter la gueule? Bah ça dépend, il faudra déjà que j'arrive vivant jusqu'au donjon. Et ça c'est pas gagné. Vous êtes frêle comme un elfe. Vous feriez à peine une danseuse par chez moi. Non mais c'est l'odeur de vos pieds qui puent qui risque de me tuer rapidement. Vous voyez pas toutes les tables autour de nous qui sont libres? Je préfère avoir les pieds qui puent que de chier dans mon froc. On sait très bien que ça se lâche toute sa robe les vieux manches dégueulasses. Mais moi je vais t'en lâcher une dans la gueule, tu vas rien comprendre. Bah vas-y viens, je t'attends. Likez, partagez, quoi. Laissez un commentaire aussi. Je vais faire puer les pieds que tu chies dans ma robe. C'est très bien que ça se soupe.